Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer, pas mon invention, c'est un truc que j'ai trouvé quand même sur Internet et puis que j'ai amélioré à ma façon pour que ce soit simple, facile, puis que ça coûte pas cher. Alors, les matériaux, c'est deux feuilles de 2 par 4, de 4 par 8, 3 quarts, plywood, le plus cheap possible, 10, 2 par 4, 10, 2 par 4 que j'ai pris pour bâtir ma rampe pour monter une motoneige dans un pick-up. Alors ici, c'est simplement une feuille de plywood 3 quarts, ainsi que deux par 4 pour empêcher la motoneige de tasser à gauche ou à droite. Alors les skis rentrent à l'extérieur de chaque côté et montent dans le pick-up. Ça l'empêche la motoneige de glisser à gauche ou à droite. La laie que j'ai trouvée usagée sur Internet, que j'ai coupée pour réussir à bien monter la côte parce que c'était glissant. Alors, c'est pas compliqué. J'ai deux 2 par 4 ici. Mon fond, c'est deux 2 par 4 qui traversent chaque côté, ainsi que deux 2 par 4 ici aussi qui traversent de chaque côté. Et puis, ils sont coincés simplement chaque côté du plastique le plus serré que je pourrais faire. Ici, j'ai une traverse que j'ai mis sur le quai pour me donner de la hauteur. Naturellement, pour le besoin du vidéo, j'ai simplement une main. Alors, c'est simple, simple. J'ai un 2 par 4 pour le montant, la traverse, la hauteur ici. J'ai simplement un 2 par 4. J'en ai quatre qui font les traverses gauche à droite. Ici, j'en ai deux pour la rampe. Alors, on est rendu à 6. J'en ai un autre ici. 7, 8, 9. Et un dixième pour toutes sortes de petits bouts que je me suis servi un peu partout. Alors, c'est pas compliqué. On a tous les matériaux pour la sécurité, j'ai rajouté simplement une peinture que j'ai coupée en deux. J'ai enlevé le gong, j'ai patenté simplement un gros boulon que j'ai coupé. J'ai simplement enlevé ça et voilà. Ça empêche de glisser vers l'arrière un peu. Et voilà. Après ça, ben j'ai mis une strap tie-down pour la sécurité, parce que des fois, on sait jamais, on donne un petit coup de gaz en montant, puis whoop, la planche est partie. Alors, j'ai simplement percé un trou pour passer la strap tie-down. J'ai simplement à l'enlever et le tour est joué. Ici, j'ai vissé simplement ma strap, la laie de motoneige à cet endroit pour pouvoir qu'elle soit bougeable pour replier mon panneau amovible tout à l'heure. Alors là, on va dire que la motoneige est montée. Tout ce que j'ai à faire maintenant pour pouvoir me promener et le redescendre, c'est de rentrer ma rampe à l'intérieur. Et voilà, c'est simple de même. Et je suis prêt à partir en motoneige. Maintenant, advenant le cas que j'ai terminé de faire la motoneige et que je viens de la rentrer parce que je viens de retirer la motoneige, c'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est replier ma laie ici. Et voilà. Ensuite, ma partie amovible, je n'ai qu'à la rentrer à l'intérieur. Alors, et voilà, le tour, on le voit bien. 2 par 4 de travail. Un 2 par 4 en montant comme ça. Et puis ça, je me suis donné de la force pour accoter ma planche ici pour que ce soit encore plus fort pour ne pas maganer le bord de la boîte du pick-up. Maintenant, j'ai besoin de fermer ma boîte. Il me reste simplement à pousser à l'intérieur ma planche. Et tout peut maintenant rentrer. La boîte, elle ferme. Et voilà,
prête à partir pour une excursion en motoneige, simplement et facilement, pour environ 150$ de matériaux, de bois, 100$, et la laisse, 50$, trouvé sur Internet. Alors, c'est simple de même. Tout ce que l'on a à faire, on rouvre le pick-up, on sort la rampe. Ça prend quelques secondes. Naturellement, je n'ai qu'une seule main. Et voilà, on sort la rampe. Bingo, on attache ça, prêt à partir. Simple de même, quelques...